Et les gens, bienvenue sur frappstjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Rage 2, donc sur PC, un jeu qui m'a, j'allais dire qui m'a été offert, mais en fait non, que j'ai via le Xbox Game Pass, quoi. Voilà. Donc chose que tu ne fais pas, mais l'une faire du sport, mais c'est pas grave. Moi j'en ai fait quand j'étais petit. Puis après, je me suis arrêté très longtemps et maintenant je fais un. Forme de vie consciente en approche. Bonus de natrite. Bonjour, je fais que passer. Composant mécanique. Ça, je prends. Ça aussi. Ça, je casse. Ça, je bousille. Ça, je bousille. Voilà. Peut-être que je rentre à Camelot un jour. Et voilà, tout pété. Lieu de terminer. On va prendre le véhicule, on essaiera de le ramener à la base. Acheter. On va prendre ce véhicule pour voir. Et nous maintenant on va là-bas. Tiens, encore un truc qui suit pas loin, machin. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces ballons-là? Un météore. Ah là-bas, on le voit. Il y a une caisse de loot là qui vient de tomber, je vais aller voir. Il y a avec la voiture. Ben, il a beaucoup craquelé. Bah attends, je vais te le montrer si tu veux. Attention, on descend. Ah, c'était ça l'histoire? Ça rapportait des piécettes? Ok. Voilà, donc on va retourner là-bas. Il y a des serpents dans le désert, ça me dit rien du tout. S'il y en a, j'en ai pas vu. J'en ai pas entendu. Le premier serait Edge, c'est vrai? On se souvient tellement pas du premier Edge en fait. Voilà à quoi il ressemble. Tu vois, il a beaucoup craquelé le pauvre. Tu vois, ça se voit sur les côtés, on voit l'aluminium. C'est tout ce côté-là. Où il a explosé sur le côté, sur ce côté-ci. Tu vois. Il est tout craquelé, mais sinon ça ressemble à ça. Voilà. Donc ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je m'achèterai de la pâte Sculpey, comme l'a conseillé Rémi, et d'autres. Et j'essaierai de refaire un peu plus pratique. Et de voir comment je peux faire ensuite pour en faire un. Par contre, l'herbe, je sais pas. Elle est trop haute, l'herbe. Faudrait que j'en fasse quelque chose de plus bas. Mais je suis content. Faudrait que je le pose quelque part où je peux le récupérer. Genre là. Sur le scanner en attendant. Ah ouais, non, mais je suis vachement content de moi. Je pensais pas y arriver à ce point-là, en fait. Mais bon, je suis content. Mais merci du compliment, en tout cas. Du coup, comme je dis, on va essayer de récupérer l'usculpé et de voir ce qu'on peut en faire. Je me dis qu'il y a le temps, parce que j'aimerais bien lire le. Ah, ce bruit désagréable du moteur.
On est d'accord que le bruit du moteur est horrible. Oh, quelle horreur. Non, non, je le peindrai pas, j'ai pas ce qu'il faut. Salut Bozo, ça va bien et toi? C'est gentil à Tirmas. Ce que j'aimerais bien au final, c'est pouvoir proposer des figurines des différents personnages sur la boutique. Je fais que passer, pardon. Le bruit du moteur. Ces repères de bandits. Pouah 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 pouah. On est pas bien là, tuer tout le monde. Je me baladais dans le camp ennemi, le corps ouvert à l'inconnu. J'avais envie. N'évoluez pas ce niveau 1. Félicitations, Bozo. Bonne nuit, K2. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, à la prochaine, ciao, bisous. C'est ça, on dirait que hein, le mec est bloqué en première. Le son est pas du tout appréciable. J'aime bien les graves comme ça. Il y a une caisse par là-bas. Très très pratique de ne plus avoir à chercher. Là c'est fermé. C'était beau. C'était doublement beau. Je suis fier de moi. Je me balais dans le commis. J'avais envie de tout flinguer. Et on n'a même pas pensé. Alors, toc. Oh! Ça va? Ça a quand même un petit côté jouissif, hein, cet aspect-là du jeu. Ouais non, Fallout est tellement mieux. Ça c'est le bruit de tes collègues qui meurent. Si tu le dis, papy. La rousson est la dernière caisse, il y en a une là. Il reste un coffre archéen, mais les coffres archéens, je peux pas les connaître.
c'était pas la station-service, ça, là-bas? Mais oui, il se planque d'une station-service à un autre truc, c'était donc ça, le bruit. Le coffre arcain est forcément quelque part dans le coin. Il est là. Bonjour, coffre arcain. Je viens t'ouvrir. Tada! J'aime les lieux terminés. C'est bon, on a tout vu, tout fait. On se barre. Oui, c'est, on les a toujours les boomerangs. Ils sont là, les wingsticks. Mais je sais pas m'en servir correctement, donc j'évite de le faire. Chaque fois, je me loupe, donc bon. Faudrait que j'essaye quand même à C4 de voir si je peux à nouveau le faire. Ou à nouveau les réussir. Ça, c'est quoi, ça? Il s'appelle Roule-Roule. Ça m'embêterait de... Faudrait que j'aille m'occuper de ça, mais ils sont niveau 6 là-dedans. Niveau 4, ça serait peut-être mieux. Là, ils sont niveau 3, ça on peut s'en occuper. J'avais dit qu'on continuerait l'histoire principale, mais en fait, je me dis que plus on fait ce genre de choses, et plus on est doué, et plus on est doué, et plus on peut défoncer des mecs par la suite. Donc, autant essayer d'en défoncer un maximum maintenant. Comme ça, au moins, ça nous fait des points en plus, et on est meilleur, et on peut tuer tout le monde. Ça, ils sont niveau combien, ceux-là? Niveau 4, on pourrait s'en occuper d'eux. Ça, je sais pas ce que c'est, on va être allé voir. Ok. En termes de son, c'est quand même plus agréable, ça. Pratique. Bonne nuit, lune. Demain, lever 6h. Mais quelle idée d'être encore là, cette heure-ci, alors. Cause perdue. Le pauvre, il a pas le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Il est mouru. C'est classe comme endroit, j'aime bien ça. Bah alors, monsieur? Mouru? Journal de Dumper. Ma vie touche à sa fin. Le Wasteland a été généreux avec moi et j'ai fait de mon mieux pour lui rendre l'appareil. En traitant mon prochain avec dignité, j'espère que Wasteland prendra soin de moi. Cela dit, toutes les tombes ne renferment pas que la mort. J'ai trouvé de la fertrite et elle avait l'air trop importante pour être au milieu de nulle part. Alors je l'ai ramassée, je l'ai enterrée sous un pneu. Elle ne me sert à rien, mais si vous la trouvez, je vous en prie, servez-vous, je vous, pour faire le bien. Sous un pneu. Bah, c'était pas là-bas? Bah si, c'était ici. La fertrite sous un pneu. Donc on a terminé la zone. Ok, d'accord. Bon, bon écoute, on va aller là-bas. Pour rendre le véhicule. Hey, Alcridax, comment vas-tu? Hey, you. You make my dreams come true. Yeah, yeah, you. You make my dreams come true. Bah ça va bien, merci. Pardon. En fait, c'est assez joli artistiquement parlant des fois, mais je trouve pas ça non plus transcendant. Mais s'il y a des gens qui aiment ce type de décor, ça va être le pied pour eux. J'aurai ce véhicule, il sera à moi. Nous sommes quasiment arrivés. Et voilà.
Oh, pièce mécanique plus 5, c'est intéressant du coup de ramener les véhicules. Ensuite, j'avais dit que je voulais aller faire ça, tiens. M'occuper de ces trucs-là. 4, 4, il y a plein de machins avec des 4 ici. Les fertrites, ça peut être plutôt intéressant. Et niveau 6, lui, il est embêtant. Convoi. Perchoir gorge-lame. Ravin gorge-lame. Niveau 5, niveau 2, le ravin gorge-lame. Donc on est tranquille, je pense. Là, il y a des lieux non découverts. Là, il y a des lieux où j'ai pas récupéré ce qu'il fallait. Vas-y, viens, on va par là. Je crois qu'en fait, il y a le truc juste au-dessus, là. C'est un niveau 4, on va le défoncer. Est-ce que j'ai assez de munitions ou pas? Bon, ça m'affiche rien, tant pis, on va aller voir. You make my dreams come true. Voilà. Voilà. J'aime qu'un plan se déroule sans accroc, ça me plaît. Donc ça c'est fait, suivant. Ça on l'avait fait, ça on s'est passé pour l'interrogation là. Ça on avait vu. Encore un de ces repères de bandits. Wow. Non, merci. Et c'est quoi? Pardon, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Tu me fais toi. Tu vises pas au bon endroit, pardon. Ça a été vite expédié, merci, au revoir. Ravi d'avoir pu vous aider. La pièce mécanique, c'est ok. Là, le stockage, on prend, bien sûr. Ensuite, qu'avons-nous d'autre par ici? Des caisses de stockage. Dommage. Dommage, dommage. J'aime bien, par contre, les trucs qui font du bruit comme ça, RP dans le décor. Dit bandit, dit je sais pas, il y a un jeu. Dit XP. Compétence supplémentaire, et de la fertrite en dessous là. Toi, je sais pas à quoi tu sers, mais je te prends avec moi. Là, il y a de la moto.
Ah bah c'est le terminé. Il a fait un truc de l'autre côté. Bon, j'ai tout eu. Je crois que oui. Ouais, doucement. Chaque chose en son temps. On se presse pas, Gérard. Bon, j'ai l'impression que je n'ai aucun problème pour accomplir les missions qui sont ici. Tant mieux, je vais pas m'en plaindre. Tac, tac. Et tac. Ravioli. Pourquoi ravioli? Quel rapport avec les ravioli? On m'aurait pas mis au courant d'un truc? Tac, ça s'est fait. C'est combien on a dit ça? Niveau 5. Au niveau 5, on peut. Vu qu'on a au niveau 2, on va arriver, on va les dégommer, mais d'une vitesse, ça va faire chplouf, 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 et ils seront tous morts. Merci, au revoir. D'accord que lui est terminé ici, ouais. Est-ce que j'ai gagné un nouveau point de projet ou pas? J'ai 3 points de projet. Ça coûte 3 quand même ces trucs. Il faudra l'autre ici pour pouvoir atteindre ça. Ok, bon bah on y va. Well, well, well you. Faire sur le décor, moi c'est pas ma cam. Destination est sainte. C'est bon, je t'ai cassé? Merci. Ça veut pas récupérer les trucs. Avant d'aller voir la météorite, j'aurais bien fait de... d'augmenter le niveau du... de faire trite récupérer en fait. C'est long de faire ça. Voilà, mission accomplie, on peut se barrer. Plus 40 points. Ensuite, est-ce qu'on n'irait pas par là? Ça, on a dit que c'était trop lourd, hein. 6, ouais. Pour s'occuper de ce point d'interrogation... Attends, il y a quoi ici? On va s'occuper de la sentinelle qui est sur la route. Ou alors au pire, je fais comme ceci, je descends là, je m'occupe de ça, je fais celui-ci, puis je continue à descendre par là, je m'occupe de celui-ci, je remonte par là, en reprenant par le point d'interrogation. Dans ce cas-là, autant faire celui-ci, celui-ci aussi. Allez hop, c'est parti. Salut Marinux! C'était pas passé, ou alors c'était hier, je sais plus. Je suis perdu Marinux, aide-moi! Je ne sais plus quand est-ce que c'est que tu es passé la dernière fois. J'ai l'impression que c'était il y a quelques minutes. Tout va bien! Salut. Allô.
Mais c'est au-dessus, non? Ah, c'est au-dessus. On va aller chercher ça. Splooch! Encore une station service des bandits. Niveau combien la station service des bandits? 4. Oh, vas-y, c'est bon, ça passe. Quand je me déplace, je suis Snake. Il manque plus que le carton. Les autres n'ont même pas déplacé un petit pouce pour eux. Un petit doigt quoi, tu vois, ils auraient pu faire un effort, non, même pas un petit doigt. Voilà, ça fonctionne encore ça. Ah, on me tire dessus au secours. Oh merci Warhead. I'm back. Sur la boîte de Pandore juste au cas où. Mais non, mais y'a pas de boîte de Pandore, c'est bon, tout va bien. Merci beaucoup pour le soutien et pour le sub, le resub. Quel plaisir. 'D'ici le jour de l'ange, c'est sûr, je vous mets les systèmes pour les quiches et autres éléments du genre. Merci en tout cas. Le Snake en carton. Bah non, je suis bon, regarde. Je suis pas mort. Je suis sûr que là on aurait été en Metal Gear, vous aurez entendu Snake. Non, Snake, Snake. Gars, ça se barrait si vite. Oh, comment il s'est barré trop vite. Il a triché. Je suis convaincu qu'il a triché. J'en suis convaincu. Cette chose n'est pas normale. Big Mama. Non, pas, j'ai bien aimé Big Mama, moi. Bonjour. Commencer. Attendez, il y a des boutons ici. Donc appuyons sur les boutons. Pas grand chose à trouver là-dedans. Il y a le Crawford qui est là. Tadam! Bonus de nanotraite. Oh, mais tout a explosé ici. Oh, puis zut, vas-y. Ça me plaît. Merci, au revoir. So Harley, c'est quoi So Harley? Sineke? C'est Mickey? Snakey! T'es double sub pendant une seconde? Non, non! C'est Warhead Wolf! Je suis désolé, Warhead!
Bah, le coup, c'est vrai. Excuse-moi. Vous avez le même pseudo, pas écrit de la même manière. Faudrait que je vous dise en entier. Le War Red Wolf. Parce qu'à la base, son pseudo, c'est Red Wolf. Et il a changé pour que ça ne ressemble plus à Red Wolf. Du coup, ça fait War Red Wolf. Sauf que... maintenant, il y a un War Red. J'ai vu après, désolé. Bah non, mais c'est ma faute. J'ai qu'à prononcer le pseudo en entier. Espèce de quiche. Alors, il y a quoi d'autre ici? Normalement, j'ai tout récupéré. Il me reste plus qu'à démonter ces 3-4 derniers trucs là-bas. Est-ce qu'il y en a d'autres par ici qui traînent? Ces 3 derniers là-bas? 8, 9, 10, 11, c'est bon. Attention! Joyeux anniversaire! Lieu terminé. Stand de jus de fruits. 167$, le truc qui sert à rien, tu sais. Mais ça, par contre, j'aime bien, lieu terminé. Ensuite, il y a point d'interrogation de partout, là. Il y a plein de points d'interrogation. Comment vais-je faire? Bon, ben, on passe d'une zone à une autre, on les élimine tous, et voilà. Hein. On a 0 points. Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas. Par contre, j'ai 2708. Vas-y. So good. Oh, merci, Marinux! Mon père n'est pas riche, mais il est en avance. Ton père Noël, c'est ça? Merci, madame. Merci beaucoup pour le cadeau. Tu triches. C'est le H ou R pour différencier. Tu commences sur le H ou R. Ah, le Warhead. Non, ça fait Warhead. Head. Tout dans le genre. Mais ici, à la place, je faisais ça avec ça. Ça peut être pratique. Maîtrise de l'arme. J'hésite. De toute façon, on n'a plus de sous. T'as oublié Noël, mais quelle idée! Pas grave, tout le monde ne fête pas Noël. Oh oui, partageons. Sakura! Comment ça va, madame? Apparemment, c'est là qu'on va. Encore un de ces repères de bandits. J'ai un peu explosé, monsieur. Waouh, mais ça, c'était pas prévu. Qu'est-ce que c'est qui a pété? Mais ça a explosé de partout. Ça, je prends volontiers. Attends, faut que je recharge. Ok. Alors, il y a des caisses là-bas. Il y a de la feltrite encastée ici. J'arrive, les gars. Hein, 30 secondes, il y a le truc au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Yes! Nouveau véhicule débloqué, Icar. Ranger, je suis impressionné par votre ténacité. Il suffit d'un dernier coup de collier pour pouvoir mettre tout ça derrière nous. Pour le moment. Je viens de dégommer un drone. On
dirait qu'il appartient à l'autorité. Oh, bien. Ma haine des drones n'est éclipsée que par mon amour pour la génétique. Quand on voit ce qu'il produit avec la génétique, ça m'étonne pas. L'homme qui était amoureux de la génétique. Ça va bien, merci. Hein? C'est quoi ça? On envoie les SMS gâteaux? On est pas bien là tous ensemble? Avec tout le monde qui meurt? Il y a une caisse là, elle est planquée ici la caisse. Quelle ténacité! Va brûler les ailes, ça sent le bûcher ça! Il faut qu'on trouve des. Qu'on appelle ça? Des expressions pour le petit vieux qui tousse. Je suis pas sûr que ce soit normal. Il faut qu'on invente les expressions du vieux qui tousse. Attends, je sais que tu t'es pas tué, toi. Si ? Et d'où est-ce que t'es passé au travers ? Je suis pas d'accord. Parle pas trop vite, chérie. Pas moi, c'est pas moi, je suis pas là, j'ai rien fait. Je suis innocent. Chut. Vous avez rien vu. Il y a des banditos partout. Oui, mais on essaye quand même de les tuer parce que c'est plus cool de les tuer comme ça. Toin, loin, toin, loin, toin. Oh, mais non, mais reviens. C'est bon, tout le monde est mouru, il reste encore à l'intérieur. Je vois plus personne. Il y a un étage en dessous encore. Ouais, ils apparaissaient pas sur ma carte. Ça, je prends, merci. Ça, je prends, merci aussi. Ça, je le veux aussi. C'est moi, on s'est cassé pendant que les autres étaient occupés à flinguer le réservoir de propane. On a pris autant de tech qu'on pouvait, et on l'a enterré dans un fossé. Quand on en aura fini ici, on n'aura qu'à récupérer notre butin et l'échanger contre une totale copibine. On va se la collecter même pendant un mois entier. Oh mais cette efficacité, cette efficacité. Je m'étonne moi-même. Ouais, pardon. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était beau. Ah, ça me plaît. Oh, cette maîtrise absolue du gameplay. Oh, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Oui, je me jette des fleurs. Il faut bien. Hein. Ah, Schtroumpf. Oui. Hachi. Je suis un professionnel. Pardon. Examiner, ça c'est bon. Il y a un truc qui clignote par là. C'est quoi? C'est des munitions. C'est des munitions. Bah voilà, on a terminé la zone, hein, je crois. Voilà, zone terminée. Il reste ça là à voir qu'on n'avait pas fait. Et ça aussi que j'ai pas fait non plus. Mais quelle est cette arnaque? Il y a deux zones ici que j'ai pas faites. Il y a plein de points d'interrogation là-haut. Le pire, c'est que j'ai envie de tout se faire du coup. Tant que j'ai la facilité dans le gameplay, en fait, je me dis je roule sur le jeu, donc voilà. Pourquoi s'embêter si on roule sur le jeu? Et non, voilà dehors. Maintenant, je vais aller là-dessus. Donc, il faudrait vraiment que je parte au sud. Le sud, sud, quoi. Où est mon véhicule? Par là. Joker, c'est toi? Cassé. Wow. Bon. Ça, c'est fait. Suivant. Roger, j'ai bientôt fini avec le brouilleur. Ça se présente plutôt bien. Il me manque juste une petite pièce du puzzle. J'ai envoyé Kuno, mon indique. Tu sais, la petite géniale de l'autre fois. Elle a disparu. Je
commence à croire qu'elle sait attirer les ennuis. On dirait que tu vas encore devoir m'aider, Ranger. Passe me voir à l'armurerie, d'accord? Ok, j'arrive. Tombe pas trop, tombe pas trop. Apparemment, c'est encore en dessous. Ce serait ici. Bonjour. Je viens récupérer les affaires, ça vous dérange? Trop tard. Chiots de guerre. Des chiots, trouver une meute de chiots, je vais les entraîner et en faire les meilleurs chiens de guerre de l'histoire. Ces idiots, ils connaissent rien en chien. Johnny Pirate va leur montrer, ils me verront même pas venir. Il ramasse des petites choses et c'est numéro 1. Il y a une zone au-dessus que j'ai même pas visitée. Ça va le faire. Bon, c'est juste un lieu de base, ça y a rien de spécial à voir ici. Je pense même pas qu'il y ait des ennemis en fait. Il n'y a pas d'ennemis. On va se contenter de récupérer un maximum de choses, voilà. Forme de vie consciente en approche. C'est faux! Qui lui a dit que j'étais conscient? Ça va chier, ces enfoirés de l'église commerciale nous raquettent depuis trop longtemps. Notre petit élevage de trucs qui rampent, qui mordent et qui piquent est prêt. D'abord, on va détruire le barrage de la rivière, et ensuite on balance tous nos petits animaux dedans pour qu'ils se fassent plaisir. Je vais laisser une caisse d'appât en ville quand j'aurai versé le dernier paiement. Ces petits trucs suivront le courant et impacteront la ville. Touchez pas les plancros, ce sont les vraies saloperies. Oh, et dispersez-les, faudrait pas qu'ils se bouffent entre eux en descendant la rivière. Tu nous abandonnes déjà, Marilux. Vers 6h30. En plus, t'en avais pas en retard. Courage, Marilux. On est de tout cœur avec toi. Tu peux y arriver. Fais de beaux rêves. Merci encore pour le cadeau. Tac, 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 tac. Ça en casse, c'est pour moi. Suivant. Pardon. Là, mon véhicule, elle est où la caisse? Elle est au-dessus. Et on va aller la chercher. Comme ceci, on casse un coup. Salut Palerne! Ça va bien et toi? C'est l'heure de carrer les mutants. Non! Les carrés, c'est nul. Toi, lui, les pognons. Lieu terminé. J'aime quand il m'écrit ça. C'est agréable aux oreilles. Je vois bien aussi. Attention, le I believe I can fly. I believe I can fly. Système en récupération. Bon voilà, Walker. Plus en forme que jamais. Je
Je pense qu'il faut que je monte par là. Parc pestilentiel. Vraiment, c'est moi qui défonce la gueule des gens, s'il vous plaît. Chaque chance entend du coup. Qui sont les derniers? Ouh, vous êtes où? Ça vaut beau les oreilles, ça. Bon, bah écoutez, y a plus personne. On récupère ce qui nous revient droit. Hein. Quand on a tué tout le monde, les choses présentes dans l'environnement nous appartiennent. C'est la loi. Bah, K2000 en plus sexy, surtout. Parce que bon, la voix de K2000, j'ai pas le souvenir qu'elle a été extraordinaire. En même temps, j'ai pas grand chose. Viens, on va jouer. Ouais. La 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 la. La 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 la. Il me reste des conteneurs de stockage, s'il vous plaît, là-haut. Et là. Je les veux, ils m'appartiennent, ils sont à moi. J'ai tué tout le monde, donc maintenant c'est bon. Ils me reviennent de droit. Hop là, ça c'est fait. Ensuite, monter le trou pour le trou. Zut, ça n'a pas marché. Voilà. Bonjour. Au revoir. Et hop là, lieu terminé. C'est gagné, mes amis. Hop, on passe à la suite. Voilà, papoui, voilà, papou. Il n'y avait rien d'autre par ici, on est d'accord, hein. Il n'y avait rien d'autre. Rendez-moi ma fartrite. Alors, par où allons-nous repartir, sachant qu'il n'y a pas d'avoir beaucoup de... Non, non. Recule, Germaine. C'est là, bon. Ouh. Un peu plus, et ça partait pas du bon côté. Ah oui, j'ai pas récupéré les trucs de projet. Si, j'ai 6 points de projet. Parfait, vas-y, viens. Allez, viens, je t'emmène au vent. Y'a tout qui coûte beaucoup trop cher. Ça, c'est tout qu'il me faudrait. Je crois qu'ils sont pas si difficiles à trouver en fait. On y est, bébé.
Allume-toi, s'il te plaît. Je suis pas assez haut pour éviter les... Vas-y, fais-moi plaisir, fais pas de bêtises, s'il te plaît. Non. Ah, je me suis pris le deuxième. J'avais pas du tout fait gaffe au truc. C'est bon. Et hop, plus 3 points. Parfait. Y'a quoi à récupérer par ici? Conteneur de stockage. Et là-bas. C'est tellement pratique de pouvoir tout découvrir comme ça sans trop se prendre la tête. Alors on fait moi ça maille la tourelle là hein. Feignasse. Hop, ça c'est bon, c'est récupéré. Faut que je fasse gaffe au temps qui passe aussi. Bonjour. Au revoir. Mon véhicule, t'es toujours vivant? Oui. Voilà, à plus de tourelles. Ravin, gorge l'âme, difficulté de l'ennemi. Éliminer tous les cramés. Il y a trois petites choses à récupérer, on va se faire plaisir. Là, il y a un convoi qui passe, on s'en fout. Je reconnais que c'est pas forcément la session de jeu la plus importante qu'on ait pu faire jusqu'à présent. Hein. Un météore, où ça? Météore! Je sais pas où est-ce qu'il est. Allez, on y va! Il s'est écrasé par là-bas, là, je sais pas trop où. Walker, c'est vous homme. J'ai des nouvelles. Si on est bonne et des mauvaises. Allez-y. Eh ben, le char qu'on a récupéré dans le donjon sordide de Clayton, il fonctionne pas. Je pense avoir une solution. Je passe vous voir dans votre bureau. Plein de missions en plus. Est-ce qu'il y a des caisses à ramasser dessous ou pas là-bas? Je vois rien à première vue. Alors tout de suite. Oui j'arrive, attends. Normalement ils sont nuls donc on va avancer tranquille. Et normalement c'est souvent un genre de cas que ça marche pas comme prévu. Non c'est pas ça l'histoire. Et en fait c'est tranquille et après ça allait plus. Branle bas de fouissage numéro 5. Au nombre de mes lecteurs les plus âgés se souviendront d'une époque où nous étions, pour la plupart, illettrés. Quel bonheur donc que la célèbre maison d'édition Presse qui poisse émergea des cendres des guerres des autorités. Je pense avoir mis au jour une collection de premières éditions de Poisseron, ici même, au cœur d'un camp de bandits. Il me faut hâter mon bon serviteur, Pigeon, si nous ne voulons pas nous faire surprendre par le retour des bandits. Je dois cependant reconnaître que ces sauvages avaient du goût. La bataille, le très gros bâtard, envoyez-les tous en enfer, et même Romance risquée de Randil Rabelais. J'ai hâte d'étudier ces ouvrages. Ok. Ah, ça pique ça. Non mais oh. Comme si on allait se laisser faire par des gens comme ça.
Pas d'accord, moi. Merci. C'est bon. Mission accomplie. Que c'est que ça là? Ah, il s'est barré. Dommage. La prochaine fois, il faudra que je réagisse mieux. Alors, où sont les éléments? Ça picote un peu le crâne, hein, quand même, à force d'entendre ce petit bruit d'analyse. Alors, il me reste un coffre archéen, qui doit être là, bien sûr. Se battre dans les règles, c'est pour les neuneux. Ça roule, popo, tu veux te défouler un peu, machin, m'a parlé d'un endroit où tu devrais... où on devrait aller... pile au niveau de la faille, histoire de se faire péter le casque et défoncer les gueules. On m'a dit qu'il fallait que je laisse ma batte à côté du ring, mais je crois que si je fonce dans le tas, il n'y aura personne pour m'arrêter. Alors on y va ce soir. Et là-bas le conteneur de stockage, on voit là-haut. C'est bon. Il est quelque part par ici. Zone terminée. Oh, ça ne m'attendait pas à ça. Bon, c'est pas grave. Ici, on revient. On revient. Et ensuite, on a ceci. Qui est un peu plus élevé, quand même, en termes de niveau. Hein? Ça, c'est des convois. Niveau combien? 2, niveau 6. Niveau 6, ça va être un petit peu plus méchant. Le conduit délabré. Tanner de broyeur. On n'avait pas essayé d'aller ici déjà. Et on s'était fait... on avait vu l'ennemi, on avait dit non, on n'y va pas. Trop violent. Je sais plus. Bon, par contre, ce qu'on va faire, avant tout ça, on va faire comme ceci. Et on va donc penser à couper la rediffusion. Je veux un calo du Herman! Ça veut dire que t'as été abonné à Herman Philly, c'est ça? Je vois les émoticônes Herman aux cheveux bleus. Du coup, on va couper la rediffusion ici. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeux.fr et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. A tout de suite. Pum 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 p